Tu me promets que tu vas lui laisser sa chance? Je ne te promets rien du tout. Ne sois pas comme ça. On a déjà vu 14 maisons, Déborah. Ça ne peut pas durer comme ça. Je sais ce qui me plaît. Mais toi, vivre dans une cage à lapins, ça ne te fait pas peur. Vivre dans une cage à lapins, c'est nul. Eh bien, grâce à ta mère, ce ne sera pas nécessaire. Désolée. Nous y voilà. C'est une maison pleine de charme. Elle n'est pas encore sur nos listes, les propriétaires sont à l'étranger. Un peintre célèbre a habité ici. Ah oui? Oui. Rupert Wells. Vous en avez entendu parler? Moi non. Déborah? Oui, j'en ai entendu parler. Vous êtes artiste? Non, femme au foyer. Ah, non. Non, c'est une excellente photographe, mais elle... elle manque de temps. Oui, j'imagine. Deux chambres à coucher, deux salles de bain et une salle d'eau. Elle a besoin de réparation, mais elle a beaucoup de charme. Le parquet est d'origine, les vitres ont été importées de Chine et le travail de l'ébénisterie est tout simplement remarquable. D'ailleurs... Hé, hé, petit, nous n'avons pas fini de repeindre. Yann, arrête. Alors, chérie? Nous sommes en train de repeindre. Tu veux visiter l'étage? C'est un peu petit pour le prix, mais... On la prend. Tu en es sûre? Oui. Oui. Quoi, tu veux repartir à Seattle? Non, 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 non. Pas du tout. On va faire une offre. Génial! On va retourner à mon bureau et on va faire les papiers. D'accord. Très bien. Non, 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 je ne joue pas. Jim, non! Arrête! Au secours! Je te vois. Qu'est-ce que t'as? T'es vraiment cinglé!
qu'il y a? Rien du tout, chérie. C'est ton père qui m'a fait très peur. Je lui ai fichu une de ses trouilles. Vous avez vu ce drôle de gars dehors? Quel gars? Il était juste là. Il était en train de me regarder. Sans doute un voisin curieux. J'ai faim. Non, il n'était pas là par hasard. Il faisait pas que passer. Il était... Il jaugeait l'endroit, c'est ça. Si on mangeait une pizza, il faut que je retourne quelques heures au bureau. Ah, ce soir? Je suis désolé, je te l'ai dit. Je vais avoir un emploi du temps de dingue jusqu'au lancement du projet. Jauger l'endroit. Oui, enfin... Je vais me coucher, chérie. Ne veille pas trop tard. J'arrive tout de suite. Ne t'inquiète pas. Ils vont adorer tes photos. Bonne nuit. Bonne journée. Toi aussi.
T'es anxieux? Moi aussi. Mais on est des durs, on s'en sortira. T'es supposé être d'accord avec moi? D'accord. Ok. Allez. Ah oui. Très joli. C'est vraiment très joli. Oui, merci. Très particulier. C'est un super book. Merci beaucoup. Ouais. J'aurais aimé voir plus de photos de produits. Bien sûr. Mais c'est génial. Merci. Je vous remercie d'être passé nous voir. Et c'est tout? Oui, si on a besoin de vous, on vous contactera. Oh, ok. D'accord? Oui, d'accord. Génial. Ok, parfait. Ok. Oh! Je suis vraiment désolée. J'espère que je suis photogénique. C'est très bien, merci. Merci. Merci d'être venu. Ravi de vous avoir connu. Et encore désolé. Non, c'est rien. Incroyable, t'as vu ça? C'est dingue. Non, mais enfin, je veux dire, ces photos d'art, c'est un peu trop de vie. Et puis, ces genres de photos prises de tête, c'est du flan. Eh, remarque, je me la ferais bien. Je sais que t'es grave. Oh, arrête. Je dis tout haut ce que tu penses tout bas. Il était temps. Salut, je m'appelle Tammy. Déborah, enchantée. J'avais presque fini. Je suis désolée, je ne voulais pas vous espionner, j'étais seulement en train de... Ça fait rien. Je suis un peu exhibitionniste de toute façon. Oh, d'accord. Je vous offre à boire? Non, merci, ça va. Vous faites du yoga?
Vous avez un corps pas mal. Je cours quelquefois, oui. Vous savez, je vous ai vu emménager l'autre jour et j'avais l'intention de venir vous saluer, mais j'étais tellement occupée. Oh, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je suis comédienne. Et mannequin. Et je chante aussi, mais pas professionnellement. Oh, ça a l'air amusant. Ça l'est. Alors, pourquoi êtes-vous venue? Oh, c'est mon mari qui a été muté dans cette ville. Il est programmeur. Il a un bon salaire, mais je ne le vois plus autant qu'avant. Ouais. Ouais. Le monde des ordinateurs. Est-ce que vous connaissez la dame qui vit dans l'autre maison en face de chez moi? Ah, oui, Madame Yoshida. Elle vous espionne, c'est ça? Oui, en fait, oui, c'est tout à fait ça. Elle est obsédée par votre maison. Pourquoi? Bah, à cause du peintre qu'il y avait avant. Oui, mais pourquoi? Est-ce qu'elle était amoureuse de lui? Ah, bien sûr que non. Quelle horreur. C'est parce qu'il est disparu. Je veux dire, lui et toute sa famille, ils ne les ont jamais retrouvés. Ah, vous n'étiez pas au courant? Elle habitait sûrement déjà là quand c'est arrivé, parce qu'elle surveille cet endroit comme une sentinelle. Oui, enfin, c'est vrai qu'elle surveille aussi tout le quartier, mais surtout votre maison. Elle vous surveille aussi? Ah oui, toute la journée sûrement. Et ça ne vous fait rien du tout? C'est vrai qu'au début ça me gênait, mais au bout d'un moment je m'y suis faite. Si elle veut me mater, tant pis. Elle aimerait sans doute être comme moi. Est-ce que tu m'écoutes? Tu sais, mon chou, je trouve que cette maison est un peu bizarre. Et on a vraiment des voisins glauques. J'étais en train de te parler des crétins du bureau. Ah, pardon. Mais il y a toujours au moins un crétin dans un bureau. Et si tu n'arrives pas à savoir qui c'est, ça ne peut vouloir dire qu'une chose, c'est que c'est toi le crétin. Les voisins glauques, tu veux dire Tammy? Tammy? Ouais. Tu la connais? Avec Yann, on nettoyait le garage l'autre jour et elle est venue nous dire bonjour. C'est bizarre, elle m'en a rien dit. Ni toi, d'ailleurs. Ben non, j'y ai pas pensé. Est-ce que mon massage est déjà terminé? Alors, que penses-tu de Miss Tammy? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle t'a dit qu'elle était comédienne et tout ça? Elle était tellement excitante que j'ai oublié tout ce qu'elle a dit. Arrête, espèce de crétin. Je suis le roi des crétins. Tu savais pas ça? Bien sûr que ça plaît pas à Matt. C'est un imbécile. À mon avis, cette famille, il n'a absolument aucun goût. Ouais. Tu peux te taire et m'écouter une seconde. On va le présenter au client, ok? À lui de décider. Il va adorer et on fera comme si c'était Matt qui en avait eu l'idée. Ouais, je suis là. Écoute, est-ce qu'on peut parler d'autre chose? C'est ça, sur la façon dont... Oui. Ou est-ce qu'on va se voir sur un plan? Ou... Attends une seconde. Yann. Ouistiti. Yann, fais pas ça, j'essaie de travailler. Va dans le jardin. Et reste dans le jardin.
Yann? 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 Debbie, te voilà. Oui, maman. Me voilà. Qu'est-ce que tu... Est-ce que tu as vu Yann? Il est dehors. Il est si mignon. Pourquoi tu n'as pas appelé pour nous dire que tu venais? Parce que je n'étais pas sûre de ce que tu dirais. Oh, je t'en prie, maman, ce n'était qu'une dispute. On en a déjà eu quelques-unes. En tout cas, ça ne veut pas dire que tu ne peux plus venir. Tu as recommencé à fumer? Oh, très peu, juste une de temps en temps. Est-ce que Jim... Non, maman, tout va bien avec Jim. Yann! Yann! Hé, hey, viens un peu ici. Viens dire un petit bonjour à ta grand-mère. Viens. Viens, chérie. Fais-lui un bisou. Yann! Je suis désolée, parfois il est timide. Il est merveilleux. Ces fenêtres sont magnifiques. Les carreaux sont importés de Chine. Ah, alors c'est du feng shui. Quoi? Tu devrais essayer. C'est l'art antique de l'ameublement chinois. Oh, feng shui. J'ai un bouquin là-dessus. Est-ce que tu savais qu'ils allaient jusqu'à mettre des miroirs le long des encadrements de fenêtres pour faire peur aux esprits malfaisants? Il y a certaines régions de la Chine où le verre était considéré comme un vecteur pour le passage des esprits. Tu vois, l'esprit était attiré par le verre. Mais en s'approchant trop près, il était piégé par le verre. De cette manière, il ne pouvait plus faire le mal à personne. Donc, ces carreaux vont protéger ta famille. Je suis tout à fait rassurée. Tu es en train de faire des recherches? Hein? Ben oui, tous ces livres de bibliothèque. Oh oui, tout ça, c'est parce que... parce qu'un peintre célèbre a vécu ici. Dans cette maison? Oui, et il y a un mystère qui plane autour de lui. Un mystère, tu dis? Oh, regarde. Ça doit être lui. Ça a été pris juste devant la maison. Toute sa famille a disparu. Mais qu'est-ce qui a pu leur arriver? Oh, et sa femme s'appelait Éléonore. Ne panique pas, écoute-moi. Il faut que
tu glisses le manche de la poignée dans la fente. Vers moi. La poignée, Yann. S'il te plaît. Arrête. Regarde dans le miroir, allez. On doit faire ça maintenant. Je viens d'avoir une journée assez dure. Je sais, mais quand veux-tu qu'on le fasse? T'es jamais à la maison. S'il te plaît. S'il te plaît. Ok, d'accord, d'accord. Ok, à travers le miroir, regarde notre entrée. Tu vois la porte? Ok. C'est très bête. S'il te plaît, maintenant mets ta tête plus près du miroir. Allez, mets ta tête plus près du miroir, vas-y. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Je vois la porte, c'est dingue. Oui, mais ce n'est pas la même porte, c'est une autre porte. D'accord, éloigne-toi un instant et regarde à nouveau. Il y a une porte dans notre entrée. Celle-ci, celle qui est là. Dans le miroir, il y a deux portes dans l'entrée. La deuxième devrait être là. Mais regarde donc dans le miroir. Tu veux essayer d'être plus clair? Chérie, je veux dire que l'entrée dans le miroir n'est pas notre entrée. Non? Alors à qui elle est, cette entrée? Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette maison. J'ai dû... Rien à voir avec la porte, ok? Et il n'y a rien qui cloche dans cette maison, on est d'accord? Tu réalises ce que tu es en train de dire? C'est du délire? Je te jure que non. Je t'assure, il faut me croire, si tu voulais juste regarder encore Déborah, une fois... Non, Déborah, par pitié, je suis épuisée ce soir, j'en ai assez. Laisse tomber. Je regarderai ta porte imaginaire demain, c'est promis. Et toi, promets-moi de sortir un peu de la maison, ça te changera les idées. Bonjour, j'aurais voulu parler à Chad Walker. Je suis venue le voir la semaine dernière et je voulais juste lui parler pour savoir s'il avait du travail dans la photo ou s'il avait besoin de quelqu'un. En fait, apparemment, il ne travaille plus ici. Ça fait plus d'une semaine qu'il n'est pas venu travailler. Mon avis, il s'est tiré avec Stacy, la comptable. Ah oui, je vois. Je dois y aller. Écoute, je crois que je tourne en rond à la maison. Je veux recommencer à travailler. Écoute, mon organisation est beaucoup trop petite et j'ai déjà deux mecs qui font tout le travail pour moi. Eh bien, élargis le cercle. Donne-moi un peu à moi. Ah, et puis, il faut que je répare cette machine. Qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que j'aimerais bien t'aider. Alors aide-moi. Eh bien, en fait, l'expression « j'aimerais bien t'aider », c'est des conneries que la plupart des gens disent. Écoute, même si je pouvais t'engager, voilà tout ce que je pourrais te payer. La garderie coûte trois fois ça. Si je me remets à travailler... Écoute, je t'ai dit que c'était un salaire de merde. Plus j'ai deux personnes à plein temps. Tout ce que je peux faire, c'est te contacter si j'entends parler de quelque chose. Et pendant ce temps, tu comprends, blablabla. Je dois partir. Je dois partir, j'ai un tas de rendez-vous, je suis désolée. Vous allez voir. Ça vous prend souvent de faire ça. Mais vous bousillez ma voiture.
mais c'est pas vrai! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cet appareil photo? Vous faites quoi avec cet appareil? Ah, parce que vous prenez des photos maintenant! À quoi ça vous sert de prendre des photos de ma voiture? Hein? Allez, sortez de là, connasse! Allez, sortez de cette putain de voiture! Vous m'entendez? Sinon, je vais vous défoncer le crâne! Je vais faire exploser la croix de ton sale conne! Vous avez posé ma putain de voiture! Sale pute! Sortez de cette voiture! Je suis en retard? Oh, pardon, chérie. Je suis désolée. C'est la dernière fois. Je n'ai pas été une très bonne maman récemment. Ça va changer. Ça, je te le promets. Je te le promets. Yann, qu'est-ce qui se passe? Tu passes l'aspirateur. Oui? Quoi? Quoi? La cheminée? Et alors quoi? Oh, mon petit chou. Tu as peur du bruit? Ce n'est que le vent. Quand le vent souffle dans une cheminée, ça fait ce bruit-là. Tu n'as qu'à venir jeter un coup d'œil, tu verras qu'il n'y a rien. Viens plus près. En fait, il y a quelque chose là-haut. Sur le rebord. Non! Et bientôt, les consommateurs pourront se la procurer sans ordonnance. Ce médicament bloque l'absorption de la graisse par le corps. Les patients souffrant d'embonpoint disent que ça leur a changé la vie. Mais attention, une version plus fortement dosée de ce médicament peut être obtenue sur ordonnance, ce qui pose problème aux associations de consommateurs. À Nashville, des dizaines de fans de musique country font le pied de grue avec leurs sacs à dos et sacs de couchage en attendant leurs idoles. Déborah ? Les exorbitants, et parfois ce sont les économies.
Oh non. Quoi? J'ai vu cette femme. Mais de quoi tu parles? La police poursuit son enquête, mais n'écarte pas pour l'instant la possibilité d'un kidnapping ou d'un meurtre. Bien qu'il n'y ait pas eu de demande de rançon, les circonstances de cette disparition sont assez curieuses. Je la connais. Le mari de Madame Kuttner... Cette femme? Oui, il me hurlait après. ...accepter toute information permettant de la retrouver. Si vous savez... Cette femme? Tu en es sûr? ...disparition, n'hésitez pas à contacter nos services en ligne. J'ai trouvé plein de choses sur ton peintre Wells. J'adore ce genre de mystère. Maman, je ne suis vraiment pas d'humeur. Écoute ça. Wells a eu du mal à se faire connaître. Ses premiers tableaux n'ont eu aucun succès. Ce n'est que lorsqu'il s'est marié et qu'il a emménagé dans ta maison que son style a changé. Ses tableaux étaient complètement différents. Et les critiques ont commencé à l'apprécier. J'étais une petite conne. Qu'est-ce que tu dis? Rien, maman. Rien. Le changement était tellement spectaculaire, je te lis le passage, que certains journalistes ont dit qu'il était d'une certaine façon possédé. Déborah! Déborah! Salut! Bon, maman, je dois y aller. Attends, désolée, Déborah. Maman, je dois raccrocher. Il y a autre chose. Qu'est-ce que vous faites? Rien du tout. Ok, une minute. Entrez. Je vous fais un cocktail. Alors, qu'est-ce que vous avez pris en photo? Eh bien... Un martini à la pomme? Oui, c'est ce dont j'ai besoin. Excellent. Alors... Et Yoshida vous espionne toujours? Ouais. Mais c'est... Elle n'est pas la seule. J'ai vu des choses. Un type... Il est là et... Je suppose qu'on pourrait dire qu'il rôde dans les environs. Mais j'ai l'impression que ce gars-là me suit, moi. C'est vrai ce que vous dites? Waouh, c'est effrayant, ça. Vous savez, il y a beaucoup de types comme ça à Los Angeles. Là-dessus, faites-moi confiance. Là, j'ai eu ma dose. Ah, vous aussi? Ah oui. Vous savez ce qu'il vous faut? Quoi? Oh. 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 Eh ben... Il n'est pas chouette. Vous savez comment l'utiliser? Bien sûr que oui. Et je vais m'entraîner au club de tir chaque semaine. Vous devriez venir, c'est amusant. Ok. Va te faire foutre, connard. Passe-moi le pognon. C'est très convaincant. C'est excellent. Oui, vraiment. Ouais, je suis douée. Hein. Alors, comment va Jim? Il est arrivé à s'entendre avec les crétins du bureau. Quoi? Excusez-moi. Allô? Ah! Salut, chérie. C'est mon agence, pas tout à l'heure, ok? Bonjour, toi. On part travailler. Maman va bien? Je la trouve bizarre. T'inquiète, tout va bien. Tu as tout ce qu'il faut pour dormir là-bas? Ouais, ouais. Oh non. Non.
Madame Yoshida? Ça va? Madame Yoshida? Jim? Salut. Salut. Tu as dormi toute la journée? Qu'est-ce qu'il y a à côté? C'est la police qui est là. Madame Yoshida est disparue. Son fils les a appelés. Il n'arrivait pas à la joindre. Tu l'as vu partir? J'ai fait un drôle de rêve. Non, je ne l'ai pas vu partir. À mon avis, elle s'est perdue. Elle n'aurait pas dû vivre seule, pas à son âge.
C'est sa femme qui l'a peint. Oui, et ça explique pourquoi son style a tellement changé quand il est venu s'installer ici. Toutes les toiles, c'est elle qui les a peintes, mais il a dit que c'était lui. Jusqu'à ce qu'il disparaisse? Jusqu'à ce qu'il la tue. Il y avait un carnet de croquis derrière le cadre, une sorte de journal. Éléonore avait très peur de son mari. Au début, elle était contente que ces tableaux soient vus par des gens. Et puis ensuite, elle a voulu arrêter parce qu'elle se sentait frustrée. Mais elle avait peur de sa réaction si elle essayait de le quitter. Il avait besoin de ses toiles pour gagner sa vie. Elle était malheureuse et elle est devenue de plus en plus paranoïaque. Maman, elle croyait qu'en dessinant certaines choses, ces choses-là arriveraient. Elle faisait des croquis d'événements, des croquis d'objets, et tout finissait par se matérialiser. Je me demande quand même pourquoi elle a peint ça. Ok. Tu vas me prendre pour une folle. Mais regarde, regarde ces photos. Je ne sais pas comment on fait. Bien. D'abord, il y a des tas de photos que je n'ai pas prises. Peut-être que l'appareil était sur on. Comment ça? Voilà, Madame Yoshida. C'est la voisine d'à côté qui a disparu. Son fils la cherche partout et il devient fou. Et là, c'est la femme du parking. Idem, personne ne sait où elle est. Et celui-là, c'est le premier type. Ouais, c'était un vrai connard, mais... Debbie, qu'est-ce que tu veux dire? Maman, tous les gens que je photographie avec cet appareil disparaissent. Maman. Que pense Jim de tout ça? Je ne lui ai rien dit, maman. Déjà qu'il pense que je suis folle. Debbie, je ne sais pas. Tout ce que tu me dis maman, est tellement... Maman, écoute-moi. Rupert Wells est autour de nous. Il a fait disparaître Éléonore et maintenant il fait ça à tous les gens que j'ai photographiés. Oublie cet appareil photo, Déborah. Non, maman, tu n'écoutes pas. Tu as une très jolie maison, tu as une famille merveilleuse. Il faut que tu t'en occupes. Si tu t'en occupes, tu verras que tout se passera bien, ma chérie. T'inquiète pas, tu verras. C'est dingue ce qui arrive à Madame Yoshida. Ouais. Vous êtes très sexy. Ouais. Adieu, t'es jeune et talent. À plus tard. À plus tard. Salut. Déborah, c'est moi. Je
Je rentre juste pour dîner. Après, je dois retourner au boulot, travailler toute la nuit. Je travaille demain aussi. Déborah, tu es là? Tu ne m'as pas entendu? Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Rien. Ok. Ne me dis rien. Il n'y a rien à dire. Je vais aller préparer le dîner.
bon maintenant. Les photos ont été effacées, elles ne peuvent plus te détruire. Regarde maman tout cassé en mille morceaux. Yann! Ça va aller, Yann! Yann! Thank you.
Yann? Yann, est-ce que ça va? S'il te plaît, rendors-toi. Il faut que je réfléchisse. Maman! J'ai peur! Reste dans ta chambre, Yann! Tout va s'arranger, t'en fais pas. Jim. Écoute, il faut le mettre à l'abri. Chérie, il faut que tu me fasses confiance. Il faut que tu m'écoutes. Notre petit est en danger. Tu es en danger. Au début, je l'ai pas cru. Et puis je t'ai retrouvé. Couché dans le sang, Yoshida. Inconsciente. Je voulais te cacher la vérité. Te protéger. Tu crois que je l'ai tué? Tu crois que c'est moi qui l'ai tué? Tu crois que je suis cinglée? Non. Non, Jim, je te jure que ce n'est pas moi. C'est Rupert Wells, le peintre qui a habité cette maison. C'est lui qui l'a tué. J'ai juste besoin de savoir. Oh, les cadavres, tu les as mis où? Non, écoute-moi. Il prenait les tableaux de sa femme à son nom et un jour elle en a eu assez, elle a voulu le quitter, il l'a tué. Il les a tous tués. Dis-moi, les cadavres, tu les as mis? Dis-le-moi! Tout ce que j'ai fait, moi, c'est de les prendre en photo, je ne sais pas tuer. J'ai pris des photos, c'est tout. On retourne à Seattle. Tu as besoin d'un psy. Non, 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 c'est hors de question, si. Jim. Il ne faut pas y retourner, il va nous traquer et nous retrouver. Et même si on va à l'autre bout de la Terre, il nous retrouvera. Comme il a retrouvé Éléonore et toutes les autres. Il n'y a pas de Rupert, il n'y a pas d'Éléonore. Tu es folle, alliée. Tu es folle, écoute-moi, alliée. Ce serait dangereux de s'en aller. Cette maison est le seul lieu où on soit en sécurité. C'est le verre qui nous protège. Tais-toi, je t'en prie. Il faut qu'on trouve une autre Tais-toi. Issue. Tais-toi. Il faut qu'on trouve la porte qui est dans le miroir. Arrête de dire des conneries, tu vas me rendre dingue. Appelle ma mère. Oh. Appelle ma mère, on a fait des recherches ensemble, elle a des preuves, elle... Non. Oh. Qu'est-ce que tu as? Déborah. Ta mère est morte depuis au moins 5 ans! Je le sais! Je le sais qu'elle s'est suicidée. Ma mère s'est suicidée. Je le sais. Prisonnière de cet endroit. Elle a été obligée de trouver une autre issue. Plus profondément dans la maison. Dans son monde à elle. C'est bizarre. Bizarre. On s'entend bien aujourd'hui.
Éléonore ? C'était vous. C'est vous qui les avez tués. Vous étiez prisonnière de cette maison, vous ne pouviez plus sortir. Le verre n'était pas pour les mauvais esprits, il est supposé vous empêcher de sortir. Ça vous a rendu folle. Et à cause de vous, tous ces gens sont morts. Je veux pas me réveiller, maman.
Nous ne savons pas où sont les cadavres. Vous avez suivi les traces de sang. Regardez. Il est gonflé, lui. Qui ça? C'est un voisin. Il est un peu trop curieux. C'est ton reflet dans la vitre. T'es un peu con-con, non? Asked the question, why'd you bother?